sur ça, sauf moi, alors que je suis la première concernée. Je pense que j'ai pas forcément à me justifier, j'ai pas forcément besoin de me justifier, mais aujourd'hui j'ai besoin de vous en parler parce qu'il y a certaines choses. J'ai besoin de rétablir la vérité en fait. J'ai filmé dans mon intimité et surtout à mon insu. Si j'avais su une seconde et demie que les images pouvaient être utilisées, sachez-moi bien, regardez-moi bien, j'ai pas attendu d'être dans Énergie 12, j'ai pas attendu Ilan pour faire une sextape. Vraiment, qu'on soit d'accord là-dessus. Parce qu'à cette heure-ci, je serais beaucoup plus riche et j'aurais sûrement plus, beaucoup plus de notoriété. Enfin bref, là n'est pas la question. Moi, ça faisait déjà une semaine que je couchais avec Ilan, parce que maintenant on va en parler, hein, et c'était pas filmé. Rien n'a été filmé. Rien n'a été filmé. Moi, je suis plus. Vous m'envoyez des messages, vous me dites, ça fait un jour, on ne voit plus trop dans les épisodes, un ou deux jours. Pourquoi? Mais parce que je me cache, parce que j'ai honte, parce que j'ose plus regarder Virgile, j'ose plus regarder Yumi. Parce que la première fois que ça s'est passé, c'était hier, dans les épisodes d'hier. C'était la soirée où Vanessa rentre. En fait, il y a eu un coucher filmé, je crois. C'est pour ça que j'ai le doute. Mais je pense que le coucher, c'est un montage d'un autre coucher. Parce que, en fait, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est qu'on était vraiment fort, fort bourrés. En tout cas, Virgile l'était. Et je pense que s'il est honnête, il pourra jamais contredire ça. C'est que ce soir-là, il m'a insulté de tous les noms. Il est arrivé dans la chambre, il m'a insulté de tous les noms. Juste parce qu'il avait l'alcool mauvais. Genre, vraiment, j'avais rien fait. En face, il y avait Ilan tout seul parce que Yumi dormait dans la chambre d'en bas. Du coup, on a parlé. Mais bref, il s'est réveillé en pleurant, tout ça. Je lui ai fait un câlin. Blablabla. Il s'est passé ce qui s'est passé.